Oh les gars, ça commence bien, la Norvège a rejoint les syndicalistes. Comme ça, j'aurai une base de lancement de missiles pour attaquer la Stalingrad. Bah, la Mongolie, c'est aussi facile à prendre que la Pologne. Qu'est-ce qui n'est pas aussi facile à prendre que la Pologne? Bah, demandez à Kaiser. Oui, c'est vrai. Désolé, elle était facile, j'avoue. Olé, moins 15% de 17. Allez. Parce que t'as la guerre, parce que t'as... Ouais, parce que j'ai le transsibérien, ouais. La rébellion en Corée. We must destroy them. Mais bien sûr, nous allons les détruire. Alors, PSA, want an alliance with us. C'est qui, ça? PSA, bah, Peugeot Citroën, non? Non, c'est la Pacific... non, PSA, c'est les communistes de... Ah, Pacific State of America. Ah oui, Pacific State, c'est ça, oui, pardon. Ouf. Je vais former une alliance avec lui. Alors, oui, donc la Corée. Oui, la Corée nous a déclaré la guerre, mais c'est pas grave, parce que mes hommes étaient déjà prêts. Je tiens à te le prévenir, à souci d'honnêteté, que je l'ai soutenu il y a plusieurs mois pour avoir gagné un interventionnisme. Oui, mais sauf que c'est pas grave, étant donné que je vais leur péter la gueule. Tu leur as vendu des bâtons, des balais avec au bout un cercle en métal pour leur faire croire que c'était honnête. Je leur ai vendu des bâtons sauteurs. Oh putain, les terroristes loyalistes ont mis une bombe, MDR. C'est des bons, des braves hommes. Braves hommes, ouais, tu parles de Darlan. Hein. Ah. Merde. Les pro-syndicalistes ont gagné en Romandie, en Suisse. Parfait. On va pouvoir demander Genève. En espérant que la Suisse me dise oui, oui, monsieur. Que je n'ai pas à combattre des années la Suisse. Puis que je rentre pas en guerre contre l'Allemand dès le début, surtout. Allez, écrasez-les-moi, ces bandes de rats, là. Voilà, c'est bon. Fin des Spartakiades. Corrigé avec sévérité, tu vas voir ces espèces d'islamistes coréens Kim Jong-unais bizarres. C'est la phase de citron. La Corée est coupée en deux, mais littéralement. Le problème du Weilong, en fait, c'est qu'il va avoir une grosse ouverture au Texas, mais il va avoir beaucoup moins de troupes que MacArthur et que le syndicaliste. On va voir comment ça va se retourner, mais il faut voir aussi, surtout en termes de PP. Là, le syndicaliste, il est mal barré, ça me fait chier. Mais bon, en termes de PP, après, faut voir. Peut-être que Weilong a sa chance. Ça serait la première fois que je verrais Weilong gagner, d'ailleurs. Peut-être parce que c'est la première fois que le Russe le soutient. MDR, non, le Russe, il le soutient tout le temps. Ouais, mais est-ce qu'il le soutient aussi bien que moi? Quand je joue russe, à chaque fois, je donne plein de trucs à Weilong, il se fait toujours marcher dessus comme un vieux caca. Oh, l'Autriche est entrée en guerre contre l'Italie. Ça fait longtemps, ça. Quelle Italie? L'Italie du Nord? Bah, et pas du Sud. Hein. Il peut pas aller au Sud, de toute façon. Puis s'il sera allé au Sud, je serai en guerre contre lui, donc... il va se faire défoncer. Bon, c'est bien, j'aurai pas de rival au Sud. Par contre, j'espère qu'il sera pas allié l'Autrichien à l'Allemand. L'autocratie. Welcome back de Legitimate Star. Tsar. Bien sûr! Allez! Et voilà, Kirill Romanov. Et en plus, bah, j'ai dû prendre les bonnes chaînes d'event parce que ça m'a fait perdre du dissent. Bah oui, comme dès que le Tsar revient, tu perds du dissent. Ah, je pensais que ça foutrait le bordel. Non, justement. Le bordel, c'est juste dans le moment de flottement de Frengel, en fait. Sinon. Non, pas de paix, vous êtes en train de perdre, c'est plus le moment de faire la paix. Fallait pas vous révolter. Il n'y a pas de paix possible. Il n'y aura pas d'aube pour les Coréens. Non, ça c'est sûr. Il a combien de dîmes le Coréen quand il se révolte? Oh, il monte à beaucoup, il doit être à 12-13. J'irais facilement une quinzaine. Ouais, c'est quand même, c'est pas une petite révolte de PD. Hein. Non, bah ces Coréens ils sont nombreux quand même, faut faire attention à ces trucs là. Hein. Où est-ce qu'ils ont trouvé les fusils? Je leur en ai pas envoyé 15 000 quand même. Honte à moi sinon. Je crois que Masmas voulait vraiment ta mort, Youngstar. Non, je voulais juste un interventionniste gratos, c'est pas pareil. Ah, l'intégration du Turkestan il était temps. Écoute, une France qui bosse, bizarrement. Bizarrement, ça marche. Bien. Contre toute attente, ça fonctionne. Putain, qu'on vous le dit, messieurs. C'est pas les années 30 historiques, là. Hein. C'est autre chose. Ouais, mais ce qui est bien fait, c'est que du coup, c'est l'Allemand qui se prend ça dans la gueule, quoi. Le confort de la victoire, tout ça. Quelle horreur. Le Léon Blum allemand a frappé. Ta-na-na. Le Léon Blyce. C'est ça. Léon Blum. Léon Blum. Tiens, bah Ludendorff est mort, ça lui apprendra à gagner, tiens, enculé. Tiens, fils de pute. fallait pas battre la Russie, fils de chien. Allez, j'arrive à Pyongyang, Kim Jong-un, me voilà. Du coup, vu que c'est quelque chose de méchant, on va lancer le deuxième congrès international avec les copains. Copains comme Coco. Pour dire, nous ne sommes pas d'accord. C'est ça. Et que leur nom est puanteur. Bon, moi je pense qu'il va falloir être un peu belliqueux bientôt. La Corée, là, elle a appris... à la dure, ce qu'est se révolter. Alors, a connu la liberté pendant quelques mois. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Ah, t'as vu ce qu'il a pris l'allemand? Stable relationship with Russia is very important.
Merci, mon d'accord. Frère. Oh putain, mais t'es vraiment un gros château, quoi. Moi, là, ah, Enlevé sa garantie, mais au moins, il a fait preuve de bonté. Oui, il met des grosses bifles à chaque fois, l'allemand. Il dit « Nique ta mère, le russe hein !» Bon, t'as désolé. Désolé, frère allemand. Pardon. Je voulais pas. C'était pour la Douma, tu sais. Non. Moi, je lui dis « Fuck, la Germanie, là-haut, elle se croit où ?» Rappelez, voilà, la Chine, c'est des citrons, donc c'est à moi. Alors, ah, Russie, c'est donc Russie, ouais. C'est sur ces mots que le Japon énonça sa sphère de coprospérité. La Chine, c'est des jaunes, donc c'est à moi. Nous sommes le jaune suprême. Ah, d'accord, donc en clair, je peux pisser à l'arrêt des Allemands, je peux pisser à l'arrêt des Russes, ou je peux pisser à l'arrêt des Américains. Je crois que je vais pisser à l'arrêt des Allemands, hein. Vu comme est le Riquin et vu que tu veux une petite alliance avec Mas, donc. Non, je vais pisser à l'arrêt. Il n'y a de petit que ce qu'il y a dans ton slip. Moi ça me va parce que si tout le monde est en guerre contre l'Allemand, ça fait que la France va vite remporter. Topping the German Empire. Alors, if Germany loses influence in China, it is a domino effect. Ah, d'accord, donc en clair, je peux de nouveau pisser à l'arrêt de ces connards. Ou alors je peux me concentrer sur les colonies au Pacifique. Donc en clair, je gagne un claim sur tout. J'ai bien envie. Allez, on va prendre le Pacifique. Et je peux lui déclarer la guerre. Non, mais attends, l'Allemand qui me demande de garantir son indépendance, mais quand même, t'as vu ce que tu m'as fait. Ouais, bah je crois qu'il a peur parce que je viens de faire une petite. Je viens de faire une petite conférence avec les Anglais en fait, donc. C'est à cause de toi, ouais. Ce qui est bien écrit pour le protéger contre la France, mais fuck. Qui je te déteste, Vipère, parce que t'es un syndicaliste à la con et compagnie. Hein. Mais l'Allemand, je te déteste encore plus. Je vais rechercher les Super Heavy Battleship. Évidemment. Parce que je veux mon Yamato, hein, je veux que ça fasse jaune sur la flotte. Rigole une star, mais t'as plus de chances d'arriver à porter avec les bonnes techs sur ce mode que dans World in Flame. Hein. Là déjà, ma flotte lourde est en place, 30 navires, avec 3 porte-avions sous la direction du général Isoroku Yamamoto. Je t'assure que quand j'ai joué l'Australien et qu'avec mon Heavy Battleship, je suis arrivé à porter des bateaux allemands, bah il y a des porte-avions allemands, ils ont sauté en 2 heures. Bon bah voilà. Bon, mon machin a failli être coulé aussi, malheureusement. Alors, je vais bientôt avoir les 20 pour aller aider ma petite fédération d'anarchistes là. Ah, une alliance avec le Siam. Oh putain, oui. Ah, ça c'est intéressant ça par contre. Allez, envoyez la proposition. Ça, comme ça, tu pourras attaquer. Et d'accord, il marche moins. Tu vas commencer à faire la sphère de coprospérité en te battant les couilles de l'allemand, quoi. Voilà, assume military control, c'est parfait. Bah, du coup, moi qui me posais la question, est-ce que depuis Taipei, je pouvais aller en Indochine? Et bah, du coup, il me donne la possibilité d'y aller. Putain, le peuple qui a plus que ce qu'il devrait avoir, non, mais franchement. Une star change de pays, mais pas de gameplay. Le peuple, il est là pour crever. Non, le peuple, il est là pour me servir. Et est-ce que crever, ça peut te servir? Bah, s'il meurt pour moi, oui. On va parlementer avec les Suisses. Ah, tu demandes Genève? Ouais, on va leur dire, bon les gars, on a beaucoup réfléchi, et puis la frontière, on aimerait qu'elle change. C'est pas contre vous. On a pas tant que ça réfléchi que ça, on a repris les idées du Moyen-Âge, on s'est dit, c'était pas mal, hein. Alors... Allez, j'ai un ultimatum d'une journée, le gars il dit... Moi, je suis comme ça. Pas trop le temps de réfléchir. T'as jusqu'à 18h pour m'envoyer une réponse, le Suisse. Les Allemands ont envoyé un ultimatum à Paris. Arrêtez vos conneries. Je peux ignorer cet ultimatum allemand et partir en guerre contre eux très certainement après. Qu'est-ce que je fais? Ah, tu peux l'ignorer, mais la plupart du temps, ils disent, ils partent pas forcément en guerre. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai dit. Ah bah voilà. Et voilà. Merci, Youtstar. Allez, c'est pas grave. Bah écoute, c'est très bien, je vais pas tarder à partir en guerre moi aussi donc. Il va falloir que je me prépare à l'invasion de l'Ukraine, moi. J'étais pas vraiment prêt à ça. Bon, l'allemand aussi, tu me diras. Ah, donc ça va. Ah tiens, je peux envoyer un ultimatum à la Germanie, moi. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Alors, week-end en téléphone, ah d'accord, donc en clair, je peux rentrer en guerre dès maintenant. Je peux demander. Ah oui, carrément. Attends, je lui demande. Oh, il veut pas. Oh, le salaud, il veut pas. Je ne suis pas d'accord, je déclare la guerre. Une star, mon ami. Ah, ma vipère, je suis là. Aide-moi contre ce germain.
Putain, mais l'enculé, quoi. Je lui demande, il veut pas. L'enculé. C'est vrai que c'est pas gentil, quand même, mine de rien. Là, je suis pas d'accord. Là, je suis vraiment, mais là, je suis outré, hein. Je lui ai demandé, hein. Que je comprends pas. Non, mais vous êtes témoin. Je lui ai demandé. Ouais. T'as peut-être pas mis les formes. Oh, quoi. Je lui ai dit, s'il te plaît, enculé. Eh, voilà. Ah. C'est le s'il te plaît qu'il a pas aimé. Oh, moi qui avais fait un effort, quoi. Bon, après, il est face à 3, il est face à 6 divisions avec artillerie, hein, donc en clair, il va se faire démonter. Oui, voilà, c'est ça. Il a déjà pris 1500 morts, j'en ai pris que 300. Voilà, mais t'as pas de destin, mec, casse-toi. Le fameux argument d'une star, t'as pas de destin. Immédiatement, allez, sauter, Amphibius assaut sur Singapour, c'est parti, en avant, tout. Moi, j'ai une flotte quand même pas trop mal, hein, pour la défense. J'ai quand même 5 bébés, plusieurs CA avec mes transports. La Flandre qui m'envoie des avions jusqu'en Bangkok, quoi. Non mais franchement, on aura tout vu, quoi. La Flandre, ouais. Tu parles de cette nation que je viens d'annexer? Ah bah merci. Oh. Là, je suis pas content, il m'avait bombardé. L'agression. Et le Xibei, je l'ai annexé aussi. Oh. Wow. C'est pas... Ouais, c'est... Bon, bah oui. Le monde bouge. Les pièces avancent. Je suis en train de me faire défoncer à Belfort, mais je suis en train de passer à Liège. En plus, c'est Guderian qui m'attaque. Je peux dire que ça fait mal, hein. Ah putain. Il a le... Sur le King Empire, il a un accès territorial, cet enculé? Oh, Grand Military Access! Oh non, police, hein. Il garantit l'accès à cet enculé, quoi. Mais de toute façon, il pourra pas m'attaquer depuis cette zone, normalement. Allez, les révolutionnaires centraux américains viennent d'arriver. Ah merde, c'est l'autre qui me déclare la guerre. Ouais. Tu m'excuseras l'anglais, mais j'ai pas vraiment envie de sortir ma flotte. Si j'arrêtais de taquer inutilement sur Nancy, peut-être que je pourrais passer à Arlon. Il est possible que j'ai redéployé quasiment toute mon armée vers l'Europe. Ah, tu comptes faire quoi, Mas? Bah déjà, par un savant choix d'event, j'ai réussi à faire sortir la Ruthénie Blanche de l'Alliance Allemande. Ça, c'est gratos, ça, ouais. Tu peux le faire, normalement. Ouais. Parce que je lui ai refusé l'Alliance, mais du coup, elle a quand même quitté l'Allemand. Du coup, elle est toute seule. Je te quitte l'Allemand. Ok, c'est bon. Deux provinces allemandes viennent de tomber entre mes mains. Singapour est à deux doigts de lâcher. J'aurais bien passé à Liège, là. Ça me saoule un peu. Von Kleist, il est là. Il est chez toi, bah c'est bien. Ouais, il est chez moi. Bon, après, c'est un imbécile, il commande des marines, il est en train de tabasser de la garnison du Siam. Hein. Donc, bon, je suis désolé, mais pour moi, il n'y a aucun honneur. Hein. Des os, mais pas des os. Si ça lui fait plaisir de taper du siamois. Bon, attends, tu vas voir, je vais te lui envoyer mes casses dans la gueule, ça va vite, hein, ça va pas faire un pli. Victoire à Namur. Ouais. Oh, ils ont un CV2 à Singapour. Ah ouais. Ouais, je suis en train de le couler. C'est des chleux, hein. Mmh. Bon, ils ont percé à Belfort, mais pour pas longtemps. Le nombre de MP que je perds, quoi. Oh là, cette guerre sale. Le nombre de MP que je gagne, quoi. Ta gueule. Arrête, j'ai mal au cœur. Oui, mais c'est parce que lui ne fait pas des guerres importantes. C'est vrai. Allez, la Flandre Wallonie annexée, il serait temps que tu le remarques, fils de pute. Youn, on avait des accords et tout et tout. Et tout et tout, et tout et tout. Et tout et tout, oui. Oh la flotte que je suis en train de massacrer. Vas-y, flirte mal. D'accord, il a perdu 3000 mecs et 30 transports, moi j'en ai perdu que 130. Il s'est fait massacrer. 30 transports, ouais, putain, ça fait mal. Hein. Ouais. Bon, attends, là il est tombé sur ma flotte lourde avec le Shukaku, le Tsukagu et le Akagi, hein, sous commande de Yamamoto. Hein. Là, le mec, faut surtout pas aller le taquiner, lui. Hein. Bon, je crois que les transports étaient vides, hein, par contre. Le Netherland, il est pas allié à l'allemand, hein, l'enculé, il a peur. Hein. Heureusement. J'ai tellement été plus court, là. Est-ce que si, dans l'événement pour que faire de la Donku Bain Union, si je choisis de consulter les Allemands, il y a de les chances qu'ils me la filent ou pas? Ouais. Ouais. Ouais, consulter les Allemands. German refuse, nous mettons. The Russians shall rise up. C'est très bien, ça. The Donku Bain, come back to the motherland. Oui! Oh, oui! Le mec. Oh, putain, oh, mais gars, il est châteux jusqu'au bout, quoi. Ah ouais, là, c'est impressionnant. Bon, la retenue blanche, ça va pas tarder. Oh, côte de Malaisie. Ah. Oh, je viens de lui choper deux BB3. Oh, par contre, je suis un peu loin. 50. Allez, quoi, allez, Yamamoto, 47. Oh non, je l'ai raté. Allez. Qu'est-ce que je viens de choper, là? Oh, 18. 18 transports. Oh, putain. Des bébés. Un bébé à la trappe. Il a perdu. Oh, putain. Oh, je lui ai fait mal. Il a perdu le Van der Tan, le Nassau. Oh, le Nassau, ça, c'était pas à lui. Et l'Admiral Po. D'accord. Oh, c'est pourquoi ça serait pas à lui. Nassau, c'est en Allemagne, hein. Ouais. Pas plutôt un Nassau, ça fait plus payback.
Non, Nassau, ça fait plus Pays-Bas que... Ouais, ouais, non, non, parce que... non, mais non, parce qu'on dit... On... Parce que Henri de Nassau, c'était un prince allemand qui est arrivé roi du Pays-Bas. Et Nassau, c'est en Allemagne, quoi. Oui, ça je sais, mais de base, j'aurais, plutôt... Sait, mais... j'aurais plutôt mis ça côté... Attendez, moi j'ai le général Barbus, ça fait français, ça. Bah ouais, malheureusement. Islamo-franco. Malheureusement. Donc là, il va peut-être se faire repousser par une division de braves siamois. Alors là, en plus, ce qui est bien, c'est ça. Que tu sais ce qui est bien avec les Siamois dans leur division, c'est que comme t'as deux mecs en un, au lieu d'avoir 13 binômes, t'en as 26. Les mecs, ils, il y en a un qui peut voir derrière en fait. Couvre mes arrières, frérot, ok, t'inquiète. Ah, mais les équipes de snipers sont seules mais comptent double. T'as le spotter et le tireur. C'est toi, tu tires. Les gars, j'ai fait une... je l'ai abattu d'un tir dans la tête et là tu vois une autre tête qui se lève. Qui reprend le fusil, tu sais, parce que. Avec les doubles nerfs. Oh putain, j'ai... mes troupes se sont fait arracher à la bataille de Belfort, quoi. Et quand je dis arracher, c'est le mot, hein. Il y a, il y a eu combien de pertes, à peu près ? Il y a eu 70 000 morts du côté allemand, et moi j'en ai eu 50 000. Oh, ça fait mal au derche, ça. Ah bah, je peux te dire qu'on en perd des hommes, là, avec l'allemand, hein. C'est pas propre, la bataille. Hein. Ouais, bah t'inquiète pas, lui, il en perd beaucoup, mais sur mer. Enfin, j'arrive à prendre Arlon, là, putain, mais... Oh, des transports, mais ils sont vides. Ah bah, c'est pas grave, de toute façon, ils vont être vidés de leurs marins également. Allez, boum! Ils ont tous coulé. Oh putain, j'ai pas vu, mais j'ai pas de troupes. J'ai eu un débarquement. Voilà, j'ai pas fait gaffe, j'ai pas de troupes. J'ai toutes mes troupes qui sont occupées autre part. Alors, à La Rochelle, c'est Pétain. Eh ouais. Pétain et ouais. Le retour de Pétain en France. Putain, mais sérieux quoi. Non, Pétain. C'est problématique non. Chez toi les plages vipères, Jean-Marc. Mais c'est même pas ça, c'est que j'ai pas assez de troupes, tu te rends pas compte. Non, mais faut admettre, hein, en tant que Français, t'arrives pas à défendre toutes tes plages. Putain, bah, je sais, mais quoi. Si je peux pas le troller aussi. Ta gueule. je dis pas que c'est pas mérité, mais quand même. Hey, Van Cleiss, il a déchaîné l'orage pour empêcher mes casques de lui tomber dessus, quoi. L'enculé, quoi. Ça fait la danse de la pluie. L'Allemand, il a tellement de troupes, quoi. Ah, je passerai pas à Arlon, c'est la bataille des années qui a duré 50 ans. Alors en plus il a débarqué une moto, ce chien. Oh, mais t'inquiète pas, le connaissant, elle doit avoir de l'artillerie. Ouais, on va passer dans une phase plus défensive là, parce que j'ai vraiment fait le tour le kéké là. Eh bah si j'avais su, je serais pas passé par la mer, hein, je serais passé par le sol. Putain, mais garnison de merde, et mes tacs, ils veulent pas se payer. Enfin, si j'avais su, j'aurais laissé la Suisse tranquille. tu vois, j'ai fait exprès la vitesse. Toute la flotte canadienne qui est en train d'attaquer la mienne, je me casse. Oh là 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 là. De la France. C'est le beau bordel. Bien que. Oh, je suis en train de le violer le Canadien. Oh, toute ma flotte de bébés, je suis en train de le manger. Bah, en fait, les PA ils sont bien, mais par contre, dès que t'as un bébé, tu sais qu'il arrive à 20 km. Mais alors là, tu pleures tellement parce que toi, ton CV se prendre un tir, il est déjà KO. Bon, on a pris cher dans les deux côtés, hein, mais lui plus, hein. Oh putain. Surtout que toi, ta flotte, t'en as pas besoin, quoi, contrairement à lui. C'est ça. Surtout que là, c'est toute sa flotte de fils de pute qui vient de tomber. Mais... Attends, mais ça fait tellement mal. Bon, par contre, je vais rentrer la mienne. T'as le Marat. Je sais pas combien il a abattu de bateau, lui, mais... Le Robespierre. Robespierre, qui était bien vénère. Il les a décapités. Ah, à vous, Masmas, ça a été bien trouvé, celle-là. Hein. Ah oui. Si mon rire a été bizarre, c'est parce que j'étais en train de boire. Ah d'accord, ouais, parce que... merde, je suis allé la chercher loin, celle-là. Hein. Bah, non, celle-là était pas mal. Ouais, bah, j'étais allé la chercher sur la place publique. Hein. Comme Robespierre. Ah voilà, c'est ça. Lol, ah qu'est-ce que je suis doué là aujourd'hui. Là. Il y a une ambiance de l'IFO dans la SOP là, je vous dis pas. Alors, par contre, je vais vous avouer que j'ai trois battleships, le Duquesne, le Lille et le Tourville, qui sont à... Alors attends, je vais vous dire la force qu'ils ont. Il y en a un qui a deux de force, il y en a un qui a... Un autre qui a 2 de force, et puis le dernier qui a 3 de force. Ouais, voilà. Tu bouches les trous avec les cadavres. Ah ouais, là c'est... Ah oui, ça a été une sacrée bataille. Ah non, mais je l'ai pété beaucoup, hein. Je l'ai détruit beaucoup de CL. Putain, le Charles Fournier aussi, mon BC, il a pris très cher. Tsushima quand tu nous tiens, hein. Du coup, je vais nommer un autre amiral, parce qu'il a peut-être gagné la bataille, mais il mérite pas de tenir la flotte. Quel bande d'enculé. Les Français. T'auras Bourg-en-Bresse. Ils tentent de passer à Bourg-en-Bresse. Ils tentent à Bourg-en-Bresse, mais tu passeras pas, mon gars. J'ai trop d'hommes. Ah non, là par contre j'ai moins d'hommes. Là par contre, la différence c'est que Bourg-en-Bresse, c'est pas mal comme ville. J'arrive pas à passer à Singapour, les mecs, quoi, ils sont à 99%, ils veulent pas lâcher. Putain les gars, j'ai des divisions qui font le tour de la France toute la journée pour aller défendre des points.
Des corrections de la ligne de front, c'est ça ? C'est ça. Mais tu vas lâcher, fils de pute ! Il va se battre jusqu'à la fin. Il va se battre jusqu'au dernier homme, quoi. C'est pas des convois allemands que je veux péter, c'est des convois français, mais... Bah non, tu vas pas couler les tiens. Non, mais des convois de l'autre français. Oui, ça, je sais. Vous êtes sûr, mon général ? T'imagines le commandant de sous-marin, là, qui est là ? Mais allez-y, putain, il y a le bureau syndical qui va me tomber dessus si on les coule pas. Pas ça va, c'est bon. Bon, allez, je j'ai raté ma torpille, monsieur. Mais quoi encore? Ça coûte cher à fabriquer. Du sang des ouvriers est tombé pour cette torpille. Oh, il m'a coulé le Robespierre avec des navots biplans, mais non, mais putain. Bon, j'irai rien parce que je l'ai fait aussi à Singapour face aux Boches.